Va te faire foutre! Attends, Joe, j'ai un problème avec un gars. Comment ça? Voilà, moi c'est radical chez moi. Y'a pas de va te faire foutre, d'accord? C'est respecte-moi. Mes respects, on me dit. Hey, bijou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur Mafia 2 pour l'épisode 14 ou 13 ou 66, je sais plus. Où on devait retrouver Henri, je crois. Je crois. Avec cette belle Gina qui se prend son bain tout habillée. Ce que j'ai regardé dans les records, elle était habillée hein, pendant qu'elle prenait son bain. Ce qui est normal. Changer de vêtements, je peux pas y aller en slip. Vas-y, c'est pas marrant. Je peux pas y aller en slip. Moi, tous les soirs, tous les jours, je suis en slip. C'est marrant. Bon, après, t'auras les flics au cul, mais ça, c'est une autre chose. Bon, on prend quel vêtement aujourd'hui? Ouais, vas-y, allez, vas-y. On va la prendre une fois, juste pour changer. Ok, les filles, fermez bien la clé en partant. Vito et moi, on a du boulot. Vous avez compris? Surtout toi, Gina. Ma belle Gina. Oh là 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 là. Bon, viens ici, toi. On a du boulot, comme tu dis. Alors, dépêche-toi. C'était Henri au téléphone. Carlo a appris pour notre affaire. Yes. Et il sait qu'on est impliqué? Je crois pas. On en parlera dans la voiture. C'est ça. Putain, je peux pas claquer la porte. Fais yesh. Mais vas-y, je peux pas claquer les portes, là. Ça m'énerve. Oui. Toi, tu te TP. Génial. Tu fais un Illuminati, toi. Non. Non, je prends pas cette titine. Qu'est-ce que je prends? Une autre rod encore. Une autre voiture, ouais, on va prendre celle-ci. Bah, c'est la même en fait, c'était la même que. Non, c'est pas la même. Ah, quoi que, je sais pas. C'est la même ou c'est pas la même? Non, c'est pas la même. Et on va où? C'est pas la même calandre. On y retrouve Henri. Ah, là, on n'a pas de calandre. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, Henri? Il va bien? Il avait l'air, mais Carlo a exigé sa part du gâteau. Ouais. Bah, normalement. Comme Henri avait dit qu'il ferait s'il la prenait. Ouais, voilà. Mais le vrai problème, c'est qu'il nous reste plus assez pour rembourser Bruno. Putain! Ah, ça, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Ouais. On va en parler ou pas. Cette problématique, tout ça. Henri saura quoi faire. Ça va être problématique. Quoi? Vite! Fonce! Mais pourquoi je me tape toutes les bagnoles à chaque fois? Pourquoi je suis aussi nul? Va te faire foutre! Attends, Joe, j'ai un problème avec un gars. Comment ça? Voilà, moi c'est radical chez moi. Y'a pas de va te faire foutre, d'accord? C'est respecte-moi. Mes respects, on me dit. Pas va te faire foutre. D'ailleurs, c'est moi où il y a une voiture de flic qui est passée. C'est moi où je viens d'écraser un flic et j'ai pas d'étoile. Non, c'est pas un flic. Si, c'était un flic. Je comprends rien. Si, j'ai écrasé un flic là. Il était en tenue d'inspecteur, je suis d'accord, mais c'était un flic. J'ai cru voir un train en bleu sur la carte. Et l'autre, je canarde un pauvre mec sur la route. Il y a une flic qui passe et disait rien. C'est beau l'Amérique. Magnifique l'Amérique. Ouais. Oh, c'est juste des menottes. Allez, dépêchez-vous de me rattraper. Vous êtes bien lent. Ça, ça doit être Joe, hein, quoi. Non, pas Joe, Georges. C'est Georges le flic. Viens derrière. Il dit rien, le Joe. Pour une fois, j'ai fait des accidents et tout, il a rien dit. Bonjour. On vient juste de se croiser, hein, mais bon, y a pas de problème. Y a pas de problème. Ah là là, l'Amérique, comme je vous dis. Henri est plus le même. Il a une vraie. Putain, qu'est-ce qui se passe? Quoi, ce bordel? Merde, c'est Henri. Ah, Henri, il fait des relations sexuelles avec quelqu'un. Avec quoi il le frappe, c'est con? Ah putain! Avec des hachoirs! Oh non, le vrai bro! Oh non, pas le bro! Putain, ça. Je préfère être dans ton camp. Tu peux marcher? Arrête de dire la même chose, s'il te plaît. T'es pas si fort. Non mais sérieux? Merde! Mais qu'est-ce qu'il leur a pris, putain, Vito? C'est des tarés, putain, des tarés! Non mais pour y aller... Merde! Non. À qui tu penses? Regarde ça, Vito. C'est un cauchemar, putain. Oh, le pauvre. Il est mort.
Et voilà. Le tunnel. Putain, fais chier Henri, je kiffais Henri quoi. Faut pas rester ici. Putain. Les flics s'occuperont d'Henri. Eh, je sature pas là, mon micro est là à fond. Eh, c'est le vieux qui nous a vendu la dope, Wong. S'il voulait le tuer. Attendez, petite ellipse, je vais vérifier un truc. Ouais, les amis, ça devrait être bon là. Je vais les crever. J'ai réglé le souci en question. À quoi ça sert? Au milieu du parc en plus. C'est des malades, je te dis. Et je vais en faire de la farce à même de ces mecs. Il nous a vu, je te l'avais dit. Ouais, ouais, comme ça accélère. Ouais, tant mieux. Voilà, accélère bien. Pas prendre de temps. Ah, mais. Je veux bien accélérer, mais on l'a pas perdu de vue là. Qu'est-ce que c'est quoi ce temps là? C'est quoi ce temps? On l'a pas perdu de vue. Il est juste devant. Continue à le suivre. Ronde, c'est détendu. Détendu. What the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? Il est passé où le con? What the. Mais. What the fuck? Mais comment t'es arrivé en bas? Comment il est arrivé en bas? Mais c'est foutu en fait. Il a fait le saut de l'ange, c'est foutu. Ah d'accord. D'accord, ok, ok. Je savais pas que. Ok, c'est mieux que GTA, c'est largement mieux que GTA. Allez go! Et on meurt. C'est génial. En même temps, la tête là. Je crois que j'ai perdu la tête. Ouvre-moi. Non. Ah non, pas encore. Hein. C'est bon, changer. Ellipse. Encore une fois. Au milieu du parc, bon, on refait le. Malade, on refait ça parce que c'est chiant. De la farce à même de ces mères. Mais non, mais non, mais non. Tu sais, on a aucune idée de combien ils sont. Ouais. Je m'en branle. Hey, Henri est mort. Tu veux qu'on se fasse tuer aussi? Faut qu'on soit malin, Joe. Toi, sois malin si tu veux. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de les voir tous crever. C'est vrai. Pareil. Sans doute plus de deux. Mais, Ned. Et alors, quoi? Et alors, nous, les deux. Et à moins que tu veuilles appeler Carlo pour lui dire dans quelle merde on s'est mis et qu'il faudrait nous envoyer du renfort. C'est bon. Ok, j'ai pigé. Alors, promets-moi de pas flinguer dans tous les sens, comme d'habitude. Mais comme non. Finesse. Pigé? C'est vrai qu'avec Joe, c'est toujours le bordel. C'est vrai qu'il tire dans le tas tout le temps. Bah tiens, on apporte des flics chez eux, ça va être marrant. Fais pas yège, Bernard. Mais arrête de me pousser sur l'ennemi, là. Mais il est débile, ce flic. J'allais me rendre. Ou pas. Mais non, mais vous avez déjà vu un flic, vous, foncer dans la bagnole à l'arrière d'une voiture qui s'arrête, quoi, quand il la pourchasse? Mais pas du tout, il fait jamais ça. Ne bougez pas. Oh là là, mais dégage. Dégage. Non. Mais lâchez-moi, messieurs. Mais vous êtes bien relou. Mais vous êtes très lourd. Mais dégage. Merde. Va chier. Non, mais. Ah! Il sait conduire celui-là. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais. Ah oui. C'est bon. Aidé par le script du scénario. Yes! Yes! Bon, on sait où le trouver. Ouais, faut entrer et le descendre avant qu'il disparaisse avec le fric. C'est faut la sortir guerre. La grosse artillerie là. On peut passer chez Harry, ou alors on se les fait là, tout de suite. C'est toi qui décides. Oh, Joe qui demande un conseil. Enfin, surtout un choix. Eh ben, on y va tout de suite. Débouler dans le restaurant du Red Dragon. Ah bah oui, alors, clairement. Par contre... Vous voulez la baston? D'accord. Voilà, hein. Voilà. Moi, ça va être direct. Je fonce dans le tas, hein, la foutre. Oh, je vais le déglinguer. Oh, je vais le déglinguer, ce Wong. Oh, je vais lui faire le trop bal. Il met une bête dans le bastos. Mais putain! Excusez-moi. J'en ai rien à foutre.
Je laisse la caméra, hein, m'en fous. Parce que ça va revenir là. Mais pourquoi vous mettez une arme de merde dès le début? Oh. Voilà, un vrai pompe, une vraie arme quoi. Non mais une balle, il me retire la moitié de ma vie. Genre, j'en ai vraiment ras le cul de ça. Hein. Tu dois trop être président de tes tirs, pardon. Non, attends, attends, alors ça, c'est The Bébé ça. Voilà, voilà, alors là, là, on va moins rigoler. Ouais, j'ai vu. S'il te plaît. Allez, hop, ça dégage. Et hop, ça dégage. Oh là, le magnum, gros. C'est la vie. It's the life. It's the fucking life. Ouais, ouais, bah y'en a qui vont respawn de côté, tu vas voir. Le type dans l'escalier. Ok, ça marche pas, je peux pas aller là. Alors, je prends pas de magazine. S'il y en a. Je vais dire ça, mais je vais le prendre automatiquement, tu vois. Tu te sens obligé de regarder. Rien que personnellement, tu vois. Tu te sens obligé de regarder les magazines. Mais merde, oh, c'est chiant ça, hein. Les tuer, on me tue en un coup alors que je suis derrière un mur, c'est chiant. Enfin, le bar. Oh, va chier. Va chier, tu sais quoi, va chier. Et je fais pas d'ellipse. Vous allez le faire avec moi, sinon vous avancez sur la vidéo, vous avez, vous cliquez deux fois à droite de sur l'écran et vous avancez 10 secondes, vous faites pas yesh. Ou soit vous appréciez le moment avec moi jusqu'au bout. Mais je fais pas d'ellipse, j'assumerai. Oh là là, cette tête de enfer. Oh là 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 là, mais ce gun, mais ce gun. Bon, j'ai raté. En même temps, il est en mouvement, c'est pas facile. Oh. Ouais, tiens, là je te l'ai. Ok, je prends pas d'autres risques. Mais tout à l'heure, j'ai pas compris comment il m'a eu en vrai. Hein. J'étais derrière le bar, je sortais pas ma petite tête. Je vois pas. Ouais, 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 t'inquiète, on va les déglinguer ces fils d'up. Allez. Le type dans l'escalier. Quoi ? Vous avez pas fait chier les plus tendres. Ouais, ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, attaquer Henry là par contre ça m'a aussi vénère un peu parce que je l'adorais ce bro. Et d'où ils sortent tous comme ça? Il doit y avoir un tunnel jusqu'en Chine, c'est pas possible. Ça me fait tellement penser au Viet Cong. Au Viet Cong, non, ça c'est raciste. Au Vietnamien. Ça c'est à force de regarder des films américains qui parlent de Vietnamiens en Viet Cong. Bon, c'est un peu raciste, tu vois. Et c'est tellement... Parce qu'en fait, pendant la guerre du Vietnam, t'avais beaucoup de tunnels. T'avais beaucoup... Enfin, les Chinois, enfin, les Vietnamiens avaient créé beaucoup de tunnels. Et ils se faisaient déglinguer comme ça, l'armée américaine. Et c'est pour ça que ça a duré quelques années. Avancez, bande de nazes. Oh putain. Alors, je connais pas l'histoire d'Amérique complètement, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. C'est... De toute façon, ça a été l'une des armées les moins intéressantes à regarder pendant la guerre, en vrai. Je déconne, c'est bon. L'armée allemande, en tout cas, c'était la plus intéressante. Hein. Faut avouer, hein, faut... même si c'est dégueulasse de dire comme ça, c'est la vérité. Hein. L'armée allemande, c'était la plus intéressante. Hey, y a toi qui voulais qu'on soit malin, non? T'as même les cuistots, c'est des combattants de. Allez, vas-y, là, sors ton terrier. Voilà, petit con. Et toi, espèce de counard, sors de là. Allez, oh, alors là. Alors là. Mais sors de l'eau, non, sors de l'eau. Oh putain. Ah, j'allais dire, quand même, un peu. Je veux bien que j'ai pas mis le ridicule à fond, mais. J'ai pas envie de perdre. Oh, Joe, tu m'as fait peur, du con. Où il est, cet enfoiré? Il est forcément quelque part par ici. On va le trouver. Oh. Oh, 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 oh. Ah, par contre, là, par contre, ici, ça appelle le fusil à pompe. Hein. Excuse-moi, mais là, c'est clairement fusil à pompe. Hein, vu les endroits étroits que c'est. Arrête, là, c'est... Arrêtez un peu. On est tombé sur une famille nombreuse. Ok, c'est pas grave. Mais c'est tellement raciste. On est tombé sur une famille nombreuse. Oh, mais lol, quoi. Ouvert, fermé. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Ouais, fais t'enfoiré. Oh, ouais, tu te calmes, Joe, hein, je rigolais. Hein. Je comprends ton point de vue, mais je m'amusais. Hein. Allez. Oh, petit bâtard. Ah, bah voilà, alors, en pleine gueule, gros. Non, mais alors là, par contre, je me le fais pas, celle-là. Hop, on recharge. On prend le Magnum, parce que The Magnum, c'est The Game.
c'est The Weapon de This Game. Viens là, attends, alors là. Ouh. Ok. Ah, je prends pas de risque, je crois qu'il y en a un à droite. En haut ou en bas, je sais pas. Encore un et c'est fini. Ah, c'est bien de dire ça. Oui, le canard, mon gars. Oh, bien joué, bien joué. On vient là, toi. Ou que je t'ai mort. Non, je pensais que c'était un magazine. Je vous ai dit, ça attire là, des magazines, tu vois. C'est oufissime. C'est tellement bien fait. C'est tellement des belles photos. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule, toi. Et c'est pas parce qu'il est chinois, hein. C'est bon. Pas d'ennui, moi. Tu peux activer l'ascenseur, s'il te plaît? Merci. Ah là là. Chut. Pas de bruit, Vito. Oh, c'est pas comme si on vient de défoncer. Ils sont trop nombreux. On va la voir tout en finesse. Oh, c'est toi qui me dis ça? Je suis surpris. C'est lui qui me dit ça? Alors là. Allez. C'est trop nombreux. Donc. Oh, quoi que. Sourd, mais dit, mais j'ai pas tiré, je voulais le... Allez, le... Montre-toi. Oh putain, merde. Allez, toi tu meurs. J'ai presque plus de balles. Je ferai pas la blague de la tumeur, hein, s'il te plaît, c'est pas marrant en plus. Il tire comme ma sœur. Là-bas. Je m'en doutais qu'il allait faire ça. Je m'en doutais. Oh non, je recommence pas tout parce que alors ça maintenant j'ai l'habitude. Ok, non, c'est bon. Chut. Pas de bruit, Vito. Depuis quand ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi? Ils sont trop nombreux. On va la voir tout en finesse. D'accord. Alors ferme ta gueule. T'as compris que leur vision est basée sur le mouvement. Enfin. On peut pas prendre... Non mais c'est bon, ils vont me prendre... Il a un flingue. Quoi? Mais what the fuck? Mais lol. Je hais ma vie. Pas de bruit, Vito. Je hais celle de Joe. Ça te gêne qu'on fasse du bruit, toi? Mais t'es un peu trop proche là, Joe. On va la voir tout en finesse. Joe, c'était un petit peu proche quand même. Alors je veux bien, mais qu'on soit mis, mais sans plus, tu vois. C'est pas pour moi. Oh putain. Comment on range des armes? Oh putain. Ah, attends. Et comment on range des armes? Je sais plus comment on range l'arme. C'est H? C'est H. Ok. Est-ce que c'était parce que c'est ça que j'ai pas pu le. Ok. Ok, c'était ça. Il faut retirer, il faut se mettre sur un point. On a qu'à passer par ici. Vas-y, c'est où par ici? T'es où, Joe? Eh, vas-y, t'es où, Joe? Oh, eh, oui! Bon, ok, bouge pas. En fait, c'est moi qui dois faire le taf. Ok. Génial. Génial! Vas-y. Petite infiltration, mon gars. Ok. On va aller ici. Qu'est-ce qu'il prend? Ok. Ça, c'est bien. Oh shit. Oh, j'ai super de muscles. Oh, par contre, alors là, par contre. Oh, excuse-moi, mais je me fais plaisir. Alors là, armurerie, je me fais plaisir. Ah ouais, putain. Oh, j'ai des grenades et tout. Oh là là. Magazine! Petite censure! Allez, petite censure, rien que pour nous. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf. En vrai. Je sais même pas si. Ouais, non, si je vais quand même la censurer, mais. C'est pas ouf. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Dommage. Je vais me faire chier au montage, mais ça valait pas le coup. Allez. Ok. T'es devenu sourd ou quoi? Ouais. Pas de bruit. Ouais. C'est pour ça que je fais beaucoup de bruit. Génial, mon pote. Ah, il faut savoir, gros. Non, mais il est contradictoire, ce type. Hein. On sort de là-dedans, toi. Oh, t'es mort, sort là-dedans. Non, ok. Vous avez... Attends. The Magnum, hein, ça y est. Voilà, ça change pas. Allez, hop, ça dégage. Et elle sort de là. Elle sort de là. Putain, un fusil à pompe, toi, j'ai pas envie de m'approcher. Oh, chut. Non, c'est un fusil à pompe ou c'est un Magnum, je sais plus. Oh, la vache. Allez. Oh, je tite bordère. Oh, sort de là. Oh, chut. Ah, mais arrêtez là avec vos propos là, c'est inadmissible. Faut pas dire la vérité, ça blesse les gens des fois. Parce que les cafards généralement ça se ressemble. Les mecs on peut plus quoi. Oh toi. What? Protégé par quoi en fait là? T'es protégé par quoi? Non mais même si c'est pas rouge le réticule, je vais te. Ah ça, voilà, tu respectes. Tiens, bouffe! Avec ton fusil à pompe, toi. Ah, c'est plus qu'un gars.
Allez, alors ça c'était plus de ma part. Oh non, il reste pas qu'un bas. Oh. Allez, dans la jambe. Dans la jambe. Dans. C'est bon. Voilà, enfin. Alors, pas mal jusqu'ici, non? Yes. Et si quelqu'un nous reconnaît et en parle à Carlo? C'est pour ça qu'il faut pas laisser de témoins. Il doit y en avoir d'autres en bas. T'es prêt? Encore? Mais là, enfin, un génocide, enfin un génocide, là on est sur un génocide, là c'est pas possible. Ok, y'a personne, là ça va être une cinématique, pareil. Oh voilà, j'en en doutais un petit peu. Hein. T'es mort, sale enfoiré bridé de mes deux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vois vraiment pas ce qu'on veut? On veut savoir pourquoi t'as tué notre pote. Et on veut le pognon que tu lui as pris. Ah voilà. J'étais obligé. Votre ami travaillait pour la police. Mais qu'est-ce que tu vas inventer là? Notre contact au bureau fédéral. C'est pour ça qu'il a pas tué Léo. M'a prévenu qu'Henri Tomasino les tenait informés sur nos affaires. T'es un putain de menteur! Oh là, oh là, oh là, tu dis qu'Henri était un indique? Oui. Mais plus maintenant. Connerie. Ça rime à rien. Est-ce qu'il se défend ou est-ce que c'est la vérité? Pour rien dans la petite embuscade juste après notre deal, hein? Vous pensez que nous aurions pris un tel risque juste devant notre usine? Non, c'était une raison de plus pour nous de vous tuer. Nous avons eu des problèmes avec vous depuis le tout début. Ah ouais? Je vois le délire. À toi, t'auras plus jamais de problème. Donne-nous le blé. Il n'est plus ici. Quoi? Et il est par hasard. Je ne peux pas le dire. Si tu le dis pas, je te jure que je vais repeindre cette putain de pièce du sol au plafond avec le jaune de ton cerveau. Si je parle. Oh là, le jaune de ton cerveau, non mais sérieux. Très bien, comme tu veux. Mais t'es malade? Tu voulais faire quoi? Laisser partir peut-être? Il aurait pu nous en dire plus. Mon cul, il aurait dit que dalle. C'est des durs à cuire ces oui, mecs. Oui, c'est vrai, il a pas tort, Joe. On n'a plus qu'à se tirer avant l'arrivée des flics. Il a pas tort sur ce coup, Joe. Il aurait rien dit de plus. Bon. On va se barrer. Et on va se laisser, je pense. Alors, attendez. Attendez, il n'y a pas... Mais son bureau, mec, il est tout en bas. Il est dans un souterrain, gros. Et il est dégueulasse. Pour un parrain de la mafia. Allez, enfin, on y va, Vito. Monte dans l'ascenseur. Je sais pas si c'est de quelle... Quelle mafia, exactement. Alors, d'abord, on ferme les grillages. Et après, on monte l'ascenseur. Et pas l'inverse. Pour éviter de coincer les bras. Ils vont rester fermés un bon bout de temps. Les circuits si électriques sont mal foutus. Temps, j'aurais aussi foutu le feu. Parce que oui, c'est ce genre de détails, tu vois. Non, ça peut arriver. Hein. C'est des circuits qui sont mal foutus. Des circuits électriques qui sont mal foutus, en fait. Il faut déjà qu'ils fassent ça avant qu'ils fassent ça, avant qu'ils fassent ça. Quoi. Bah, moi, je connais. Hein. J'ai fait une formation, j'ai eu deux. Ah, fais chier. Allez, Vito, on se tire d'ici. Ils sont trop nombreux. Trouve-nous une caisse. Vite. Ok. Ce type est taré. Il faut qu'on le neutralise. Mais ouais, mais si je sors et que je me fasse buter aussi, ça va être compliqué, gros. Moi je veux bien, mais. Je passe par où? Il y a même pas de porte de derrière en fait. Pourquoi vous êtes sortis par là? Et pourquoi les flics ils attendent par là? Ah, fais chier! Allez, Vito, on se tire d'ici! Ils sont trop nombreux! Trouve-nous une caisse! Vite! Ok, d'accord, j'ai une idée. Non, ça marche pas. Ce type est taré! Il faut qu'on le neutralise! Oh merde. C'était pas voulu ça. On signale un meurtre! Le suspect est armé. Oh yes, ils arrivent. Et yes, ma petite couille, elle a fonctionné. Couvre-moi. Même si c'était pas volontaire. Joe, tu prends les dégâts. On merci. Joe, il a pris les dégâts. Il est parfait. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Voilà, Joe prend les dégâts. Voilà, parfait. La Thompson. Voilà, il y a encore une autre arme. Et on va tout perdre la prochaine fois, tu vas voir. La base, quoi. Oh putain. Il se pète cette vitre. Voilà, on va prendre la voiture de flic. Tire-leur dessus, Joe. Oh putain. Vite. Yes, Cassos. Non, mais arrête de déraper sur des savonnettes. J'en ai marre d'avoir des voitures avec des savonnettes. Allez. Oh, ils sont jadés. Oh, je kiffe faire ça. Voilà. Mais regardez ça! C'est incroyable! Chez moi, Vito. J'ai besoin d'un bon verre. C'est ok. Ça a bien merdé, hein. Ouais. Je préfère pas en parler. Ah, je comprends. Amène-moi juste chez moi. Ouais, je comprends, t'inquiète, gros.
T'as un Henri, il fait chier, même si c'était un indique, c'était un bon gars, quoi. Bon, après, c'était un indique aussi. C'est pour ça que c'était un bon gars. Faut pas se comprendre. Putain. J'en ai marre! Mais faut vraiment plus que je prenne la voiture de flic. Elle dérape trop. Bon, tu sais quoi, mec? Ils vont me suivre jusqu'à chez moi. Je vais les attendre, je vais sortir de la bagnole. Et je vais les canarder. Oh, venez là. Oh, venez là, petite bande de bâtards. Oh, j'allais dire, au moins, touche-le, quoi. T'imagines, toi, tu fous une guerre à côté de chez Joe, comme ça. On mène rien à foutre. Ah bah putain, il y avait un script. C'est le plus foireux de toute ma vie. Et de la mienne aussi. On est mort. On n'a pas le fric encore de Bruno. Encore sauvé par le script. Et on a tué les Tongs. S'ils croient qu'on bossait pour Carlo, c'est la guerre. On est baisé. Ouais. Et si Carlo découvre que c'est de notre faute... Tu crois qu'Henri était un indique? Jamais de la vie. C'est des conneries. Bon, d'abord, faut trouver l'argent de Bruno. Ça réglera au moins un problème. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un verre. Je t'appelle demain matin pour te dire ce qu'on fera. D'accord. Hé, hey, Vito. Sois prudent. Très bien. Très bien. Encore un succès, génial. Et nous, on va sûrement se laisser là, je pense. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est déjà bien. Chapitre, bah oui, chapitre 14. L'ascenseur pour l'échafaud. Oh, Easter Bay. Bah oui, 25 septembre. C'est tout s'est passé en 1951 quand même, hein. Ça va vite. Hein. What the... Ah, et ça, on répondra ça à la prochaine fois. Voilà. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, comme vous voulez. C'était Xana. Bisous. Tchuss.